Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting, un objet du site DP Club que j'ai beaucoup aimé. Et je vais essayer de le commencer. Voilà, c'est cette magnifique croix avec des diamants d'enfer. Donc, bah écoutez, je vais commencer, je sors tout ce qu'il faut, voilà, il n'y a plus rien. Je vous règle vers le bas pour que vous voyez un petit peu mieux. Même, je vais rapprocher mon socle comme je le fais d'habitude. Je le baisse, donc moi je ne vois plus rien du tout. Je ne vois plus rien du tout sur le téléphone, mais là ça fait un peu beaucoup quand même. C'est difficile le réglage, mais bon, c'est pour que vous voyez un petit peu bien. Alors, hop, je sors ce qu'il faut pour le faire. Là, le toolkit avec le stylo et le pain de colle. Faut pas que je perde la petite chaînette qui est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Mes ciseaux. Et regardez les diams. Alors, je commence par les beaux. Je commence par tout ce que j'aime, en fait. Alors, je vais commencer par les dés. Les dés. J'étais en train de me demander s'il y avait une DMC ou pas, mais... Alors, j'oublie pas forcément de mettre... Hop là! De la cire. Alors ça c'est du vert, c'est du dé, donc dans la barquette verte c'est pas génial. Alors où est-ce qu'il y a du dé? Alors j'ai du dé là. Ah ben oui comme d'habitude j'oublie d'enlever le film transparent. Là voilà, là je l'ai enlevé partout. Alors, donc, je recommence. J'ai du dé comme ça. Je devrais peut-être prendre le stylet de... exprès. Voilà, j'ai du dé là. J'en ai là aussi. J'en ai là. J'en ai... là, c'est beau. Elle est belle, cette j'adore les croix. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, alors j'adore les croix. Alors, où il y a du dé? Là, voilà, vas-y, fais tout qui a tombé, Catherine, on ne dira rien. Dé, et j'en ai oublié un, là, évidemment. Dé. Parce qu'en fait, c'est plus ou moins c'est symétrique, en fait. D. Alors, j'en ai où aussi, là? J'ai du D ici. Alors, on va en sortir un petit peu plus, quand même. Hein, soyons paradines. Hop. Alors, le D. Là. Là. Bon, après, je ne vais pas vous laisser des plombes non plus. Pour regarder ça, D. J'en ai où aussi, parce que spécialiste de l'oubli, c'est moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai en D, hein, pas plus, non. Alors, le D, c'est fait. Ensuite, est-ce que si j'allume, c'est mieux? Elle a un problème, ma lampe. Non, c'est pas mieux. Et si j'allume là en haut? Ouais, allez, ça le fait. Je sais pas, je vois pas, mais là, c'est la lumière du jour. Bon, ensuite, le C. Oh, il est beau, le C. Regardez le C. Alors, je vais garder tous les beaux diamants comme ça. Je vais les garder parce que je pense que je décorerai dans mon carnet de croquis autour des gorgeous, vous savez. Alors, le C, où il y en a? Il y en a là. Hop, il y en a là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y en a là.
Là, là je ne l'ai pas bien mis dans le... Voilà. Allez, tournez-vous, laissez, là. 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 Mon Dieu, que c'est... Qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle. Je vais me rabâcher tout le long, mais... J'adore. Allez, on en rajoute. J'aimerais bien qu'il m'en reste un peu quand même pour faire des choses. Là. Allez, tournez-vous les pépettes, là. Hop. Ensuite, il y en a... Là. Il y en a là. Ah, il y en a un au milieu aussi. Donc là, il y en a un au milieu aussi. Là. Maintenant, je veux dire que là, là, là. Là, là, là. Voilà. Donc là, j'ai fini l'essai. De toute façon, j'y reviendrai si j'en oublie, hein, comme d'hab. Je vais faire du A. Le A, c'est quoi? Ça doit être celui-là, je pense. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mon Dieu! Regardez. Enfin, regardez, je vais vous ouvrir le truc. Hop, et je vais les mettre dedans. C'est des gros, 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 vous avez vu? Waouh! Alors, ceux-là, le A, il est là. Hop! Bon. Ah, on remet un petit peu de... Youpi. Voilà. A. A. Là, il y a un A à l'envers. A. Là, il y a comme ça. Allez, tourne-toi. J'ai l'impression de jouer à je sais pas quoi, là. Ah, donc, ben, il en faut encore. Je crois que le plus long, ça va être les petites tounettes, hein, comme les petits diamants de rien, comme d'habitude. Voilà. Ah, ah, encore. Là. Et je pense que là, c'est tout pour les A. Ah non, il y en a encore un. Autant pour moi. Et du coup, il n'en reste plus qu'un. Ça fait un petit peu faible pour mettre avec mes gorgeuses, forcément. Bon, j'arrive pour ouvrir le... Voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais bien faire maintenant? Je voudrais faire le 6. Oh, le 6, il est beau aussi, mon Dieu. Vous savez, ça fait penser un peu comme ça... Les croix, les vitraux qu'il y a dans les églises. C'est joli. Moi, j'aime. Hein, après, voilà. Donc là, c'est des demi-sphères multifacettes arc-en-ciel. Alors, là. Alors, où est-ce qu'il y en a aussi? Ah, mais c'est quoi celui-là? Ah, mais du coup, je vais y en rester un. Ou alors, il s'est barré, le rouge, je sais pas. Là. Tac. Tac. Allez, tournez-vous. Il y en a un au milieu. Ah, il y en a, celui-là, il n'est pas beau, je trouve. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Donc, on va prendre les plus beaux, c'est-à-dire ils sont vraiment irisés. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, j'en ai un qui est tout blanc, pas beau. Alors, celui-là, il est comment? Ça va, celui-là, il est bien. Voilà. Ah, il m'en manque un 6. Bon, bah tant pis, je mets celui-là. Voilà. Voilà, j'ai terminé les 6. Donc, il m'en reste. Je vais faire les 5. Alors, les 5, là, ça doit être ça. Non, ça, c'est du B. Ça, c'est du 7. C'est quoi, le 5? Le 5, c'est des gouttes. Le 4, le 5. Ah, ça y est, j'ai. Alors, c'est des gouttes orangées. Comme ça. Hop, elles se mettent là. Là. Ah, alors là, carrément, je mets tout à côté, comme d'habitude, comme d'habitude. Je
Je suis toujours en train de trop renverser. Allez, mettez-vous un peu dans le bon sens. Là, les beaux diamants, voilà, là j'aime. Je retourne et hop là, ils m'obéissent. Elle est belle cette croix. Elle est trop... Bon, je me rabâche. Désolée. Désolée. Je me rabâche. Et alors, c'est tellement agréable à poser des diamants comme ça. Franchement, c'est le plaisir extrême. Voilà. Donc là, j'ai terminé ceux-là. Alors, on va les ranger. Là, il en reste. Ah ouais, tous les diamants comme ça, je les garde pour mon carnet de croquis de mes gorgeuses. Alors maintenant, c'est du 4. Alors le 4, c'est aussi des losanges. Mais ce sont des bleus. Un beau bleu magnifique. Aïe, 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 aïe. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors, où il y en a? Là. 4. Là. C'est beau. On dirait une gaga, vous savez. Le ravi. Oh, que le monde est beau. Oh, que ma croix est belle. Ah, j'ai oublié des 5. Ah, tiens, tiens. De toute façon, moi, vous me connaissez, hein. Le jour où j'oublierai rien, eh ben, ça fera drôle. Ça voudra dire que j'ai nettement progressé dans la pose de diamant. Là, allez, encore un. Et voilà. J'en ai pas oublié. Non. Alors, je rajoute les 5. Alors, il est mon paquet de 4. Là, mon paquet de 4, il est là. Donc, il me manque 2, 5. Voilà. Hop. 1. Et 2. Voilà. Ensuite, dans les... Parce que après, je vous lâche pour les petits. Forcément, on va faire du 7. Le 7, c'est des demi-sphères bleues, turquoises, donc irisées. Ah, c'est beau, hein. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Alors, on met du 7 là. Peut-être allumé quand même pour que ça brille les diams. Je vois pas, je suis obligée de me pencher pour voir. Alors, 7, 7, 7. Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, mais j'y crois pas, quoi. Oh, pour celles qui aiment les croix, vous pouvez y aller, hein. En plus, il y a plusieurs sortes, hein. Il y a des croix carrées, toutes simples, hein, mais avec des coloris super beaux. Après, je sais que sur un autre site, j'ai pris la même forme, mais avec des diamants différents. Là, waouh. Puis alors, vous avez vu en direct live, ça fait combien de temps que je suis dessus, là? 13 minutes. Bon, je vous couperai, je vous ai dit, pour les petits. Parce que ça, sinon, c'est trop long. Voilà. Allez, hop. Le beau cœur, regardez le beau cœur bleu. Alors, j'ai plus assez de... Hop, on en remet. Ah, il y a un truc bizarre, là. Poubelle. Poubelle. C'est beau. Là. Et là. Il y a un set aussi. Là. Alors, est-ce que j'oublie du 7? Non, j'oublie pas de 7. Donc maintenant, ben, c'est les petits tout. Alors, ben, quand faut y aller, faut y aller. Alors, je vais commencer par le 1. Alors, le 1, oh, il est beau le 1 aussi. C'est des AB. Enfin, c'est genre AB. Turquoise. Waouh. Mais alors, c'est chiant. En parlant poliment. Alors, le 1, il y en a autour du cœur, là. Comme ça, vous voyez. Hop. Hop. Ah. Après, il y en a où du 1? Il y en a autour de ça, là, là. Voilà. Donc, je vous retrouve quand j'ai terminé tous les 1. Alors, en fait, j'ai préparé mes 1, là. Mais je me suis rendu compte que il fallait que je fasse les B d'abord.
Et les baies, c'est des gouttes comme ça, le même bleu. Donc, c'est des plus grosses. Donc, je vais les faire avec vous avant de passer au petit tounet. Voilà. Parce que je trouve que... Ah, allez, on va remettre de la cire. Tac. C'est dans l'autre sens. Voilà. Et oui, j'avais pas vu. Je me disais, mais les baies... Ah, je mets rien. Les baies, là, c'est vite, c'est quoi? Et je me suis rendu compte que c'était des belles gouttes bleues aurore boréale, hein, avec ce revêtement irisé par-dessus, qui est magnifique. Voilà, donc là, il y en a une là. En fait, il y en a quatre. Alors, dans l'autre sens, là. Et je trouve ça splendide. Oh, mon Dieu, je... Excusez-moi, je radote. Ah, pour celles qui n'aiment pas les croix. Eh bien, passez votre chemin. Mais bon. Quand elles sont magnifiques comme ça. Oh, oh qu'elle est belle. Quand je pense, alors quand je l'aurai encollé tout, elle va être devant moi sur le mur. Je vais mettre un petit peu, je sais pas si je mets de la pâte à fixe ou la petite chaînette en fait qui nous met avant. Mais qui dit petite chaînette dit qu'il va falloir que je fasse un trou. Je sais pas, donc j'ai pas trop envie. Alors je vais voir pour la mettre au mieux. Parce qu'en plus il y a ma peinture par numéro là au mur, ma première. Peinture sur châssis par numéro, le défi. Hop. Et hop. C'est bon, là, j'ai tout fait. Voilà, donc là, j'ai tout terminé les gros. Comme c'est beau. Voilà, donc je continue mes petits ceux-là. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé tout ce qui est 1. Donc, c'est du bleu. C'est magnifique. Et donc, du coup, maintenant, ben, j'ai envie d'attraper, de commencer les deux, les orangés en boréal, un petit peu, là. Voilà, j'ai des barquettes un peu partout. C'est joli, elles sont belles. On dirait des petites billes. Alors, on va remettre un petit peu. Hop là. Là. Et le 2. Alors, le 2. Il y en a là. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous garder tout le long du 2. Parce qu'en fait, c'est du 2, mais tout le 3 qui reste, ben, c'est un truc, c'est tout du cristal enfin, argenté. Donc, j'espère que ça fera quand même joli. Alors, du 2, du 2, du 2. Là, il y en a du, il y a du 2. Non, franchement, ça fait trop joli, quoi. Trop, trop joli. Je vous montrerai de près, comme je fais d'habitude. Et vous pourrez voir comme c'est magnifique. Voilà, je continue le 2 et je vous retrouve ensuite. Et voilà, j'ai terminé donc tout ce qui est les 2, les AB orange. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et maintenant, il me reste tous les strass. Donc, c'est du numéro 3 et c'est tout ce qui reste. Donc, bah, écoutez, je vais commencer. Et ensuite, je finirai toute seule pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, je vais commencer une petite partie là, genre... Ouh, ça brille! Ça brille, mais alors quel plaisir à faire. Oh, oh là là, moi je ferais ça, je ferais des trucs comme ça tous les jours, quoi. C'est... On s'ennuie pas, les diamants sont magnifiques, magnifiques. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc je vais vous retrouver quand j'aurai terminé. Là, fais des bêtises, là. Hop. Quand j'aurai terminé donc tous les strass argentés,
Oh là là, que c'est beau. Voilà, là, j'ai commencé un petit peu, là, et voilà. Donc, je vous retrouve quand j'ai mis tous les argentés. Et voilà, ma croix est terminée. Et elle est magnifique. Donc j'ai terminé ma magnifique croix. Elle est trop trop belle quoi. Je la penche pour que vous la voyez tout dans l'écran. Elle est super, elle est super. Et bien écoutez, il me reste à mettre de la pâte à fixe et de la mettre au mur. Mais vu que je ne mets pas la chaînette, donc je vais couvrir le trou avec un bleu turquoise. Voilà, il est là. Hop. Voilà. Et donc, ben, je vais mettre ma pâte à fixe. Je ne l'encolle pas parce que c'est au mur, donc personne ne va la toucher, rien du tout. Il y aura la brillance des diamants. Alors, on va en mettre donc là. Puis, on va en mettre comme ça là. Pas trop d'épaisseur non plus quand même. Là, je trouve que c'est vachement épais. Là, je vais tirer pour mettre là. Je pense que ça suffit, mais on va quand même assurer. On va assurer comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai mis toute la pâte à fixe. Donc je la mets à mon mur. Et voilà. La voilà donc au mur. Magnifique. Il y a ma peinture par numéro dessous. Voilà. Elle est trop bien. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-moi à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.